Philippe Messnard ou professeur Minaminian, si frut achvatit de l'Université Clermont-Auvergne, ou haver ba machon à l'Université Shel Tzarfat, ou pirsem ke 10 monographiot shoskot besugiot shel edut ve shel zikaron, ou beneem biographia al Primo Levi. הספר האחרון שלו, פרדוקסים של הזיכרון, שראה אור בסתיו 2021, מציע דקונסטרוקציה של מתקני הנצחה וזיכרון, ובוחן את הנורמות אליהם ממוריאלים אלה נשענים, וביניהם גם נורמות אסתטיות. בין השאר, פיליפ מסנר הוא המוציא לאור והעורך של כתבי הזונדרקמנדו, סליחה, אני מצטערת, הזונדרקמנדו. באושוויץ, הוא עורך את הטקסטים האלה בצרפת, בספרד, בהולנד, באיטליה, והחל מהסתיו הקרוב בארצות הברית. הוא גם עורך ראשי של כתב עת שמתפרסם בגרסת נייר ובגרסה דיגיטלית, שנקרא זיכרונות על כף המאזניים, או זיכרונות בסכנה, עוד לא החלטתי בדיוק מהו התרגום הנכון. אציג את פיליפ מסנר גם בצרפתית ברשותכם. פיליפ מסנר הוא פרופסור דס אוניברסיטה אין ליטרטור קומפארי על אוניברסיטה קלרמון אוברני, שרשור פרמנון או סדיס, ומומבר דה לאינסטיטוט אוניברסיטר דה פרנס. הוא פובליה אין דיזן דה מונוגרפי, פרינסיפלמן סור לקסטיון טסימוניאל ומימוריאל, נוטמנט אין ביוגרפי דה פרימו לוי. סון דרניה אסא, פארו à l'automne 2021, est une déconstruction des dispositifs mémoriels contemporains et notamment des normes et de l'esthétique sur lesquelles ces dispositifs reposent. Il a pour titre ce livre « Paradoxe de la mémoire ». Il est par ailleurs, Philippe Messnard, l'éditeur en France, en Espagne, en Hollande, en Italie et à l'automne prochain aux États-Unis des écrits des Sonderkommando d'Auschwitz. Enfin, il dirige la revue papier et en ligne Mémoire en jeu, qui, je l'avoue, est vraiment une très, très belle revue. Philippe, je te laisse la parole. Philippe Yedaber Archav, Al et Kitve Milchama Bitnoa. C'est à toi. Tu veux te mettre là? Tu es bien? Zebesader Miprina Tatsalam? Ok. Bien. Merci beaucoup, merci Michel et Hadas de m'avoir invité. L'Oshomim, on n'entend pas. Oui, je remercie donc Michel Boukobzakhan et Hamas Zahavi de m'avoir invité et que ce colloque ait enfin eu lieu, après un peu de préparation quand même. Donc le titre que j'ai choisi était « Récit de guerre en mouvement ». Je vais essayer de ne pas faire trop de digressions pour ne pas dépasser le temps. Ah. Peut-être qu'il vaut mieux que tu te mettes ici, alors, dans ce cas-là, je ne sais pas. Non, c'est je... bon ouais, à si. Chemin, toi. Ça va? Comme ça? Comment peut-on témoigner d'une guerre à laquelle on n'a pas assisté? Donc le titre a été repris plusieurs fois. Le titre est composé donc de quatre mots-clés, témoigner, guerre, assister et comment, que je voudrais d'abord interroger pour développer mon propos qui reprend et adapte des éléments de ma recherche en cours sur les configurations symboliques des violences de masse. Témoigner. En effet, si à la place de témoigner, on avait eu raconter, la question aurait été conventionnelle. La tâche de raconter la guerre n'a pas traditionnellement échu à ceux qui l'avaient faite, même si cela ne les empêchait pas d'en rendre compte. Lors de la guerre de 14-18, la question s'est posée différemment, puisque parallèlement à de grands récits produits par des écrivains qui avaient combattu et dont un certain nombre a reçu un accueil très favorable alors que les combats continuaient à se dérouler, d'autres textes ouvraient une brèche avec une production qui ne se satisfaisait plus du qualitatif de littérature. Ces textes et leurs auteurs non seulement n'appartenaient pas au champ littéraire proprement dit, mais risquaient d'en déstabiliser les canons. C'est ce qui a eu lieu avec le conséquent opus de Jean Norton Crue, Témoin, paru en 1929, provoquant une polémique sur la validité des récits qui avaient construit l'image de la Grande Guerre. D'une certaine manière, Norton Crue venait déranger la littérature en y introduisant la question du témoignage en tant que tel.
En Don Quichotte, soucieux de la véracité des retranscriptions écrites et de l'expérience vécue des soldats et méthodologiquement portée sur la classification, Norton Crus s'intéressait à cette partie de soldats ordinaires, suffisamment instruits, qui avaient tenu des journaux et produit des récits que n'avaient pas accueillis les maisons qui gouvernaient le champ littéraire. Ce faisant, Norton Crus posait de façon catégorielle, sans concession pour la fiction, la distinction entre écrivain et témoin, jusqu'à moquer le Fabrice de Stendhal, qui, nous le savons, ne comprenait pas de quoi il en retournait alors qu'il était au cœur de la bataille de Waterloo. L'émergence de la notion moderne de témoin, je ne ferai pas ici une généalogie du témoin antique et de sa convergence avec l'expérience du martyr et de la foi, cette émergence est en passe de devenir une catégorie. Elle contenait, dès sa fondation, un triple questionnement qui ne la rendait pas si rigoureuse que Norton Crus aurait voulu qu'elle fût. Premièrement, avant d'être qualifiés de témoignages, leurs auteurs et leurs auteurs de témoins, on sait que de nombreux écrits, indépendamment des écrits spécifiquement littéraires, bien avant la guerre, en avaient rempli cette fonction et pour les siècles passés. Le phénomène et l'expérience de cette écriture existaient avant sa nomination. Deuxièmement, Norton Crus reprenait en somme la distinction platonicienne et bien contestable, réfutant les poètes, entre guillemets, au profit d'un art qui produirait du récit pur, débarrassé des artifices mimétiques qui suscitent un pacte de croyance potentiellement à même de travestir les faits. Ces deux niveaux sont d'ordre épistémique en ce qu'ils ont partie liée avec la façon dont le monde est mis en forme. Troisièmement, à un niveau épistémologique, cette fois, témoin de Norton Crus, donc témoin c'est le titre du livre, témoin de Norton Crus, après avoir été relativement oublié à partir des années 30, fait son entrée grâce au travail éditorial de Frédéric Rousseau, qui est historien, qui, après une première édition en 1993, republie le volume en 2006. D'ailleurs, le positionnement de Rousseau, Frédéric Rousseau, n'est alors pas moins polémique que celui de Norton Crus. La critique de Norton Crus ne se portait pas uniquement sur la façon dont des écrivains, bien qu'ils aient connu l'épreuve du feu, avaient romantisé, on peut dire entre guillemets, l'expérience combattante. Elle visait d'une part la guerre vue d'en haut, de la part des stratèges et de ceux qui ne regardaient la bataille qu'à travers leur lorgnette, voire en écrivant l'histoire. Alors ce que Tolstoï, qui n'avait pas lu Norton Crus, avait déjà longuement développé dans Guerre et Paix. D'autre part, sur ce que l'on appelle la culture de guerre, je vais y revenir, et notamment les modèles héroïques ancestraux qui, associés aux idéaux et aux causes nationalistes modernes, permettent de galvaniser les jeunes combattants pour les envoyer se faire tuer. Cette dernière critique, d'ordre culturel, liée à la culture de guerre, doublant une critique des canons littéraires, devient pour Frédéric Rousseau, donc l'historien, une façon de se confronter à d'autres historiens, de l'Historial de Péronne, et plus particulièrement à Stéphane Audouin-Rousseau et Annette Becker, qui, dans « Retrouver la guerre », c'est le titre d'un de leurs livres, font valoir le point de vue dit « objectif historiographique » face à ce qu'ils nommaient, là, je cite, « dictature des témoins ». Stéphane Audouin-Rousseau promouvait alors l'œuvre de George Mosse, mettant en avant les phénomènes que désignait l'anglicisme de brutalisation, dans une société y favorisant l'esprit guerrier et nourrissant les stéréotypes martiaux et par là même la division ami-ennemi. Le témoin vient alors occuper une place différente de celle du guerrier et ne revêt aucun habit avantageux. Il est là pour rendre compte de la violence de la situation dans laquelle les États bellicistes poussent leurs sujets et à tuer leurs semblables. On voit donc ici que le thème témoin, le couple témoin-témoigné, non seulement naît intellectuellement et épistémologiquement d'une volonté d'objectiver ensemble terrain et expérience, mais est connoté par un refus de la guerre comme raison des grands, la guerre en tant que raison des grands, dont vont pâtir les petits, les subalternes. S'y articule également un autre binôme, plus anthropologique que politique, où s'opposent action et subissement. Ce terme-ci renvoyant à la réalité passive de ceux qui sont assignés à endurer et à se faire tuer sans moyen de réagir, sinon par l'insoumission. Du coup, tombe cette clé de voûte qu'est la figure du héros,
et sa longue tradition venue de l'Antiquité. Ce qu'accentue cet autre grand moment de l'affirmation du témoin, qui est le retour des camps nazis, puis la conscience du génocide des Juifs. Là encore, la littérature a dû prendre en compte les questions que lui posaient les différentes vagues de témoignages produites à cette occasion, prises en étau entre la question de l'expérience et celle de la vérité factuelle. Mais les camps de concentration, c'est une question, ou le goulag, la répression policière, ou les massacres de masse et les génocides, entrent-ils dans ce que l'on entend la guerre? Question que je laisse ouverte et dont on pourra débattre tout plus tard. La guerre maintenant, deuxième point. La guerre, assez brièvement. Une guerre ne signifie pas seulement les combats, pourtant ceci en dessine l'horizon cognitif, voire la limite cognitive. Si l'on sort de la critique des littératures fictionnalisant les faits, témoigner des combats mêle plusieurs niveaux qui vont du purement technique jusqu'à la confusion, confinant tantôt à la panique, tantôt à l'acharnement et le manque de lucidité. Témoigner de la guerre et de ses violences recèle en soi une expérience limite concernant les moyens que le langage, et moyens est un terme important puisque je vais le reprendre régulièrement, concernant les moyens que le langage met à disposition pour rendre compte de l'expérience d'un réel extraordinaire et à la fois concernant le point de vue à travers lequel est conduit le récit, sachant que le point de vue serait lui-même à ranger du côté des moyens, comme l'a enseigné la narratologie. Jean Paulhan, qui lui aussi avait été au front pendant la Première Guerre mondiale, a produit un petit texte qui décale la question du témoignage sans la problématiser comme telle. Il met en évidence que derrière le dit « silence des permissionnaires » ou « du permissionnaire » existe un hiatus entre cette expérience et les moyens que le langage met à disposition. Ce hiatus ne résulte pas intentionnellement de la situation de communication, mais de l'incapacité du langage à cerner l'expérience du réel radicalement anormale ou anomique. Cela met en évidence l'écart entre avoir assisté et témoigner, pour reprendre les termes du titre. Autrement dit, quelque chose s'est perdu entre le hic et nunc de l'expérience et cette expérience seconde, mais non moins essentielle, qui est la tentative de retranscription. Le témoin n'est pas, à proprement parler, celui qui a vécu la bataille. Il en témoigne rétrospectivement et peut-être ne vit-on jamais ce type d'expérience en direct. L'expérience de la violence du combat se vit dans un autre temps, sur une autre scène, extérieure à la vie, où, comme disait Maurice Blanchot, on n'est jamais contemporain du désastre. Confronté à cette expérience limite, on peut tout à fait l'accueillir comme telle, dans l'expérience du langage que mène tout écrivain, et lui faire place. On aura alors une écriture elliptique ou neutre, ce qui ne signifie pas dénuée d'artifice. Ou bien on l'habille par tous les moyens que met à disposition la littérature, de la romantisation jusqu'à la mythologisation. On retrouve la question des moyens, ou bien transcrire ce que l'on imagine comme une totalité maîtrisable, ou bien pour donner lieu à ce à quoi on n'a pas pu assister, faute de distance, au moment où les faits se déroulaient. Toutefois, la guerre ne se réduit pas à cet horizon référentiel du combat, ni même de l'attente et de l'ennui avant l'assaut. Derrière le front, il y a les arrières qui ne sont pas seulement le lieu des planqués, mais de toute une population civile qui soutient l'effort de guerre tout en étant la cible de l'ennemi et de sa violence quand il est occupant. L'espace de la guerre comprend de façon extensive ces zones où sont endurées quantité d'autres violences. Témoigner de cet état de guerre n'est pas moins une nécessité. Là, les temporalités de la violence s'installent dans la durée, que ce soit les 3 mois endurés par Martha Hillers, l'anonyme auteur de « Une femme à Berlin », publié pour la première fois en 1958, l'épreuve déshumanisante de l'enfermement, que ce soit celui du ghetto ou du siège, une extension flagrante de la guerre est aussi celle de l'exil et des réfugiés. La guerre déborde ici des limites dans lesquelles on aurait pensé la circonscrire, qui ne sont pas celles de l'expérience du soldat et celles sidérantes du combat, pas celles non plus de la métabolisation de cette expérience dans la culture de guerre. Les réfugiés, jetés sur les routes pendant, mais aussi après la guerre, soumis aux violences de toutes sortes, sont des stigmates de la guerre portés jusque sur la surface des territoires pacifiés.
Se dessine alors un arrière-front, plus éloigné encore, non pas dans l'espace, mais dans le temps, un arrière-front qui rejoint potentiellement notre présent, voire notre actualité, car les vagues de réfugiés qui ont pénétré en Europe, notamment venues de Syrie, étaient bien porteuses de la réalité de la guerre, au cœur même d'un continent qui ne l'avait pas vécu sur son territoire depuis 1945. Ainsi, sauf à prendre un parti pris ultra-référentiel, la question « témoigner d'une guerre à laquelle on n'a pas assisté » demande de prendre en compte, d'abord, l'épreuve même à laquelle sont soumis langage et pensée dans de telles circonstances, ensuite, la question des moyens du langage pour témoigner, et enfin, de considérer cette extension de la guerre qui déborde amplement le lieu et le temps des combats pour toucher les civils. Troisième point, assister. Que signifierait assister à la guerre ? Ce n'est, comme je l'ai dit plus haut, certainement pas en avoir eu l'expérience hic et nunc. Qu'il s'agisse de combats ou de la précarité de situations résultant directement de la guerre, les capacités du langage sont déstabilisées par la violence. Assister demande une scène pour y rétablir un ou plusieurs points de vue et y ordonner les moyens d'expression. Cela signifierait alors que, l'ayant vécu ou non, on ne peut témoigner de la guerre que par ce dédoublement qui permet d'y assister et, en cela, de la concevoir. Affirmation et question en même temps. Je laisse de côté ces moments où le soldat a pu s'exclamer que c'est beau la guerre, forme esthétique éphémère, dissoute par l'engagement et la perte de distance. Assister demande une distance permettant, dirait Ricoeur, de configurer le récit, ne fût-ce que celui que l'on se fait et celui que se font ceux qui ont survécu à la bataille. Ou plus exactement, de reconfigurer le réel vécu en récit. Cette distance permet ainsi d'en passer à une forme, ouais, cette forme de symbolisation mimétique qui rend possible le récit en reconstituant ce qui a eu lieu. Le récit se présente alors comme un alliage entre imagination, savoir historique, on appelle pour le moment savoir historique, qui peut être aussi considéré comme l'encyclopédie des savoirs sur la guerre, sur les faits, et techniques narratives par lesquelles l'expérience prend forme. C'est en ce sens que, plutôt en me référant à cette question de l'encyclopédie, du savoir historique sur les faits, c'est en ce sens que Régine Weintrater, psychanalyste ayant participé aux enregistrements des témoignages des rescapés de la Shoah pour la Fondation Spielberg, disait qu'après le film de ce dernier, donc La liste de Schindler, elle avait noté des témoignages post-Schindler. Même si cet exemple est marginal à notre sujet, concernant le génocide des Juifs, il dit clairement que le savoir culturel agit a posteriori sur la précision des informations qui nourrissent le récit testimonial. Il se constitue un savoir encyclopédique auquel vont puiser a posteriori ceux qui ont vécu, l'indexant à leur vécu, dont les parts d'ombre en sont pour autant éclairées. Ça nourrit aussi ceux qui ne l'ont pas vécu et se sentent concernés. L'imagination, de son côté, fournit les images, les clichés, les topoi, les schèmes qui animent et balisent une scène testimoniale. La guerre ne nous engage-t-elle pas toujours, totalement ou partiellement, à l'imaginer ? Peut-être penser la guerre ? Peut-on penser la guerre sans l'imaginer ? C'est à ces considérations que nous invite Stendhal dans son récit du franchissement du col Saint-Bernard dans Vie d'Henri Brûlard, identifié a posteriori comme syndrome Brûlard, largement repris et commenté par Claude Simon et analysé par Dominique Viard. À quoi assiste-t-on ? Au souvenir réel ou au réel de l'image, étayant le souvenir jusqu'à tantôt s'y substituer, tantôt se dialectiser avec ce qui reste du réel vécu ? On pourrait presque l'écrire en un seul mot. En somme, la différence tiendrait moins au fait d'avoir assisté, car dans tous les cas, cela réclame une distance, une reconstruction, une scène, que d'avoir vécu. Précisément, ce qui reste du réel vécu pose question, car ce reste n'est pas évident, mais enfoui dans la crypte du passé, de son passé procédant comme la vérité chez les Grecs de l'Antiquité ou la mémoire involontaire proustienne, par voilement-dévoilement,
et non par preuve positive et accomplie. Aussi, la différence, qui peut être générationnelle, mais pas seulement, entre reconstitution véridique et fictive, tiendrait-elle à cette part enfouie qu'est l'expérience vécue se manifestant suivant la modalité d'un négatif photographique, bien plus qu'au récit en tant que tel. Ceux qui sont nés après et qui n'ont pas vécu sont existentiellement privés de ce négatif photographique, qui est aussi une part du feu, on peut dire une part du feu en tant que tel. D'ailleurs, cela pourrait expliquer pourquoi la photo positive développée et tirée a acquis une telle importance dans les récits mémoriels, hein, qui est très présente maintenant dans la littérature. Il leur reste le récit, la puissance, il reste donc à ceux qui n'ont pas vécu le récit, la puissance du récit, et peuvent ainsi en reconstituer la scène, parfois plus vraie que s'ils l'avaient vécu, que s'ils avaient vécu l'événement référentiel, comme dans Nehe Jedeneff, bon, c'est un livre allemand, en 2005, par Kevin Venneman, qui reconstitue un pogrom. Évidemment, nous arrivons là à un moment délicat du raisonnement, que vient illustrer l'exemple, qui n'est pas moins délicat, de Jean Grosjean, plus connu sous le pseudonyme de Benjamin Wilkomirski, faux témoin, qui s'est fait passer dans les années 90 pour un enfant rescapé de Majdanek. En effet, M. Grosjean possédait une impressionnante bibliothèque encyclopédique sur la Shoah, dont il s'était imprégné, encouragé et littéralement porté par le cercle des proches qui l'entouraient. Peut-être certains d'entre vous se souviennent-ils du scandale qui a duré quelques années. D'où les questions suivantes. Jusqu'où l'imagination combinée au savoir encyclopédique pallie-t-elle le manque d'expérience ou, à défaut, ou de défaut de transmission ? Jusqu'où les techniques narratives pallient-elles et à la fois reproduisent-elles les restrictions de point de vue de celui qui a vécu et la perte qu'il enregistre ? Jusque dans quelle mesure peut-on reconstituer cette modalité du négatif photographique de l'expérience vécue mentionnée précédemment ? De même que l'on parvient à élaborer des hologrammes de témoins, hein, actuellement, hein, ça s'est beaucoup passé aux États-Unis, des hologrammes de témoins en capacité de répondre aux questions qu'on leur poserait. Mais aussi, autre question, peut-être n'assiste-t-on jamais mieux à la guerre que lorsqu'on ne l'a pas faite, ou lorsqu'on ne la fait pas même. Précisément aujourd'hui, aussi bien du côté de l'imagination que de la connaissance factuelle, on a tout, ou en tout cas on a suffisamment, pour reproduire l'équivalent d'un témoignage authentique, la preuve faite par le faux témoin. Cela nous ferait même aboutir à la problématique benjaminienne de l'authenticité de l'expérience et à sa reproductibilité, si tel était le sujet de notre rencontre. Mais pour ne pas le perdre, notre sujet, orientons-nous maintenant vers le quatrième mot-clé, le comment. Comment témoigner ? D'abord, il faut préciser que le témoigner est ici limité à l'expression écrite et relative à la littérature. Car l'expression testimoniale comprend une quantité d'autres médias et supports qu'il n'est pas possible d'aborder directement dans le cadre de cette approche. Même si celle-ci peut inviter à les comprendre par la suite. Le comment témoigner concerne les moyens, c'est-à-dire ce qui va permettre la mise en forme de ce dont on veut intentionnellement rendre compte à destination d'un lectorat. L'acte de témoigner est transitif, ou plus exactement, la transitivité est égale ou supérieure dans l'économie narrative à l'autoréflexivité. À quoi tient ce comment ? D'où viennent ces moyens ? Il y a certes la bibliothèque et l'imagination intérieure propres à chaque auteur. Mais on doit également compter avec les styles d'écriture et les filiations plus ou moins revendiquées qui inspirent la vision de l'auteur et sa manière de la retranscrire. S'inscrire par exemple à la suite de Georges Perec, comme Robert Bobert ou Ruth Zilberman, à la suite de Zebald, à la suite se revendiquer de Primo Levi, Philippe Claudel, de Claude Simon, par exemple, etc. En contiguïté à cela, il y a les configurations esthétiques que l'écrivain emprunte. Le réalisme transparent du feu de Barbus ou de « À l'ouest, rien de nouveau » de Remarque. Le réalisme symbolique de Ernst Jünger, que ce soit dans Orage d'acier ou dans Les falaises de marbre, où la réalité cède sous le poids de la mythologie,
ou bien de Giono, dans Le Grand Troupeau, faisant de l'allégorie le dispositif de lecture du massacre généralisé, mettant en miroir le front et l'arrière-front de sa Haute-Provence. Le phrasé syncopé de Céline, dans la première partie du Voyage au bout de la nuit, reproduisant le discours intérieur d'une longue quête où ne cesse de basculer l'humanité des hommes au moment même où elle se révèle. L'écriture neutre et sans empathie d'Agota Christophe, dans sa trilogie et plus particulièrement dans Le Grand Cahier, qui convoque en trompe-l'œil des dispositifs allégoriques dont un des ressorts est la transgression, pour dire les violences sexuelles infligées aux occupés. Une composition elliptique et faisant de la langue le lieu d'accueil des silences, des blancs et du non-savoir, comme chez Pérec dans W ou le souvenir d'enfance, et plus particulièrement sa seconde partie. Ou bien le parti pris anti-littéraire d'une écriture documentaire et autoréflexive, comme celle de Loussou, où la part du documentaire est évidemment centrale dans l'attention testimoniale et se pose d'emblée comme question, que ce soit chez Chalamoff ou dans un tout autre registre, et je mélange volontairement les générations et les époques pour en rester plutôt sur un niveau de considération esthétique, chez Laurent Binet, qui n'a vécu évidemment ni la guerre ni les camps. Binet témoignant d'une expérience de la recherche et de son écriture. Pourtant, je voudrais sortir de ces considérations pour poser un autre plan de lecture et d'analyse. À côté des approches stylistiques, thématiques et esthétiques, se pose une question d'ordre épistémique au sens foucauldien, sur laquelle je voudrais m'arrêter car elle concerne notre perception des acteurs des violences extrêmes et domine et détermine des choix qui, paradoxalement, semblent en partie échapper aux auteurs. Cette question tient au partage du dissible et du visible et, ce faisant, aux marges vers lesquelles est rejeté ce qui ne peut être dit ni vu. Je ne parle pas des systèmes de censure intentionnelle, mais bien au-delà de ce qui régit notre perception des acteurs des violences politiques et historiques collectives et des rôles qu'ils assurent et auxquels ils se trouvent assignés dans l'imagination. Autrement dit, il s'agit du système symbolique de figures représentant la violence radicale et notamment la guerre, qui reste anthropologiquement l'horizon référentiel dominant pour exprimer les violences de masse. La guerre, comme je l'ai mentionné plus haut, c'est ce rapport ami-ennemi, la figure héroïque, la question du sacrifice, une culture à part entière. Ce système symbolique rejette hors de la visibilité, de la dissibilité, ce que les populations civiles enduraient et disqualifient les comportements qui ne lui sont pas congruents, notamment la lâcheté et la passivité qui sont en vertu de ce système, soit stigmatisées négativement, soit indicibles ou invisibles. Or, l'entrée dans la modernité contemporaine de la décolonisation, inaugurée au tournant des années 70-80, correspondant aussi à une certaine réorientation de la société de marché, un glissement a lieu à ce moment-là dans ce système symbolique qui peut s'interpréter comme une rupture ou comme un dédoublement. Une des conséquences les plus notables de ce glissement, que l'on pourrait qualifier de paradigmatique, vient de la remise en question culturelle, et non simplement dans et par certaines expressions artistiques, de la figure héroïque et de la question de l'action. Cela a été renforcé, et même avec un certain décalage porté, par les témoignages de certains rescapés des camps nazis, qui ont déconstruit la figure du héros, comme l'avait fait Norton Crue. Mais cette fois-ci, le mouvement investissait la culture, l'ensemble de la culture, et s'y instituait. Cette rupture dans la culture de guerre et l'horizon d'attente qui lui était constitutif ouvre un nouvel espace, ou une nouvelle scène, on pourrait dire, par lequel se déploie et s'impose progressivement une configuration morale de la violence qui gagne en visibilité à partir des années 80 pour s'instituer comme telle à partir des années 90. Je ne m'attarde pas sur les conditions de possibilité en tant que telle de ce que l'on peut identifier comme culture mémorielle, par opposition à culture de guerre, reposant sur des valeurs morales dont le fondement tient à la reconnaissance des torts causés à ceux qui ne sont pas des acteurs directs et intentionnels de la violence. Cette configuration mémorielle engage une complète relecture et redistribution des figures de la violence et des rapports que ces figures entretiennent entre elles, notamment le binôme action-passivité. Cette culture mémorielle est ce qui est simplifié par des intellectuels et des chercheurs en termes de, d'une part, victimaire, culture victimaire, d'autre part, concurrentielle. La question de la concurrence des victimes, entre guillemets, portée, entre autres,
en France, bon, par Jean-Michel Chaumont, Guillaume Herner, Pascal Blanchard, ou en Espagne par Gabriel Gatti, est elle-même dialectisée avec les thématiques de la réconciliation, de la réparation ou de l'entente que portent des intellectuels. Je pense aux Américains, Michael Rodberg, Marianne Hirsch et la Française, Nicole Lapierre. Évidemment, cette culture mémorielle ne tient pas à ces intellectuels, universitaires ou non, qui n'alimentent que leur versant analytique et réflexif. Elle est portée par de nombreux réseaux associatifs, des organisations non gouvernementales, des dispositifs de justice traditionnelle et par quantité d'acteurs culturels et politiques qui revendiquent des valeurs démocratiques et libérales et emportent le discours. Cette culture mémorielle fait voir les acteurs de la culture de guerre d'une autre façon, d'une toute autre façon. Pour donner quelques exemples rapides, le soldat appelé, mobilisé, au sens de non professionnel, sera perçu de façon dominante comme un engagé malgré lui dans le combat, et ainsi, c'est très net avec la guerre d'Algérie actuellement, malgré lui dans le combat, et ainsi exposé contre sa volonté à la mort. Bon, je parle bien de dominante, hein, n'est pas dénié non plus les pulsions violentes dont chacun peut-être peut faire preuve en situation extrême. On mettra en question l'obéissance pour prôner le refus de suivre un ordre dit illégal. Donc il y a un renversement. L'incapacité de combattre, cédant à la panique, sera interprétée non plus comme de la couardise, ayant pu conduire des soldats à être jugés pour refus d'obéir, voire tentative de désertion passible de la peine de mort, mais comme un état traumatique. De même, toutes les violences dont les civils sont victimes, intentionnellement ou collatéralement, passent en premier plan alors qu'elles étaient considérées comme négligeables et parfois leurs conséquences comme méprisables, voire suspectes. Cette redistribution fondamentale des rôles fait également apparaître certains militaires de carrière ou membres de corps d'élite comme des assassins ou des tortionnaires. En Allemagne, ce n'est pas seulement les SS des camps de concentration ou des Einsatzgruppen qui sont immédiatement apparus sous un jour criminel, mais les bataillons SS au combat, puis dans les années 90, avec une vaste exposition sur tout le territoire national, toute la Wehrmacht. La guerre d'Algérie et du Vietnam ont eu ce même effet dès lors qu'elles étaient perçues comme des guerres injustes, la torture venant caractériser la première, l'Algérie, et en s'appuyant sur de nombreux reportages, les massacres de civils pour la seconde, le Vietnam, avec de surcroît la fuite des Boat People après la chute de Saigon. Portée par la reconnaissance de tout groupe ayant subi des violences politiques, ces reconfigurations et redistributions sont venues occuper le devant de la scène. L'héroïsme combattant a été déconstruit, d'autant qu'il était connoté par la virilité et une idée patriarcale qui apparaissait réactionnaire sous l'éclairage des discriminations de genre et de nouvelles formes de couples et de familles. Toutefois, ce serait céder à une sorte d'illusion de la caméra obscura idéologique, idéologie de notre temps formant notre conscience contemporaine, que de considérer que cette interprétation de la violence prétendument centrée sur la victime se serait imposée définitivement avec le paradigme moral qui lui fait valoir ses droits. Si la culture mémorielle s'est établie en opposition à la culture de guerre, si elle a investi de nombreuses strates des discours et des représentations dans notre société, elle ne fonctionne pas seulement et ne règne pas sans partage, sinon dans l'illusion qu'elle produit. Le partage n'est pas non plus si net que l'on aimerait le croire entre les démocraties d'un côté, les régimes dits libéraux de l'autre, qui réécrivent l'histoire en restaurant des modèles issus de la culture héroïsante nationaliste, autoritaire ou populiste. La dialectique entre les deux cultures est permanente au sein même des démocraties. En ce sens, les moyens à disposition pour témoigner d'une guerre à laquelle on n'a pas assisté relèvent de cette dialectique entre culture mémorielle et culture de guerre et des miroitements qui en procèdent. Une partie de la production littéraire en atteste. Dernier point, un nouvel avatar, glissement et dérapage de la figure héroïque. C'est en ce sens, je reprends ici l'idée de mon argumentaire, que la diminution des récits de guerre semble être compensée par d'autres qui s'intéressent non pas au hic et nunc, mais rétrospectivement au rôle et aux implications en contexte de guerre d'individus la plupart du temps examinés à l'intérieur de leur constellation familiale ou en lien étroit avec elle. Si une vaste production se mobilise pour enquêter sur le destin d'aïeux qui ont été victimes de répression, de résistants ou, pour la Seconde Guerre mondiale, des juifs persécutés, tout un autre plan est nourri
par des figures du crime, de la compromission, du faussaire, du charlatan. Bon, pour la guerre de 14, j'en vois Au revoir là-haut de Pierre Lemaître, du traître, du collaborateur, du complice, de l'exécuteur ou de l'officier et du haut fonctionnaire impliqué dans les rouages des tueries. Comment interpréter cet intérêt littéraire assez récent pour les personnages de criminels, notamment nazis, et par extension pour des personnalités impliquées dans et avec le nazisme ? Plus exactement, les textes relevant de façon générale de la littérature sur les criminels nazis ou interrogeant la place de ceux-ci dans la société d'après-guerre ou dans leur famille ne sont pas récents. En 1952, Gallimard publie « La mort est mon métier » de Robert Merle, selon lequel il s'agit d'une recréation, je cite, « étoffée et imaginative de la vie de Rudolf Höss ». À la fin des années 70, on voit publier en Allemagne et en Autriche ce que l'on appellera la « Väterliteratur », explorant les relations entre fils et filles et leur père, avec principalement pour horizon historique la Seconde Guerre mondiale et la compromission de ces derniers avec le nazisme. Quelques romans en France portent également cette interrogation en lien avec la collaboration. On pense aux premiers opus de Patrick Modiano, La place de l'Étoile, Boulevard de Ceinture, ou au laurier du lac de Constance, chronique d'une collaboration de Marie Schex. Cependant, l'ampleur du phénomène auquel on assiste depuis le tournant des années 90-2000 est à la fois culturelle et d'ordre littéraire, au sens artistique du terme. Et il semble correspondre à une resubjectivation du sujet des criminels nazis et des collaborateurs, donc qui auraient pu être tout à fait considérés comme des acteurs de guerre, mais qui sont resubjectivés par cette littérature. Ce phénomène serait consécutif de l'institution des questions de mémoire dans les démocraties modernes, tout en étant parallèle à celle-ci en ce qu'il se décentre thématiquement de la question de la victime, pour se concentrer sur les assassins ou tortionnaires. On ne peut ainsi faire l'impasse sur cette autre face, indissociable et puissante, qui porte au devant de la scène les effigies de criminels réels ou fictifs, réels et fictifs, dont la plupart sont issus du nazisme. Phénomène culturel, la publication des Bienveillantes, 2006, de Jonathan Little, vient à l'esprit, même si Edgar Ilsenrath avait largement anticipé la trouvaille d'un roman sur la Shoah, conduit à partir du point de vue d'un SS dans Le Nazi et le Barbier, en 1971. L'exemplarité de l'ouvrage, des Bienveillantes, ne tient pas seulement à la figure de Max Auer, le narrateur, mais à sa construction en tant qu'événement contemporain. Avec de nombreuses références adressées aux critiques, le livre peut s'interpréter comme un produit de et pour sa réception. Il est nourri d'un savoir encyclopédique sur la Shoah qui tisse tout l'univers à travers lequel le narrateur déambule, celui-ci n'étant pas seulement un SS, et l'étant même assez peu sur le plan de l'action et de l'extrémisme idéologique, mais un personnage marginal et homosexuel qui s'adresse au public des années 2000. De même, d'un côté, les références à Maurice Blanchot et à Georges Bataille, de l'autre, Zérini de la mythologie grecque, sont autant d'appels pour établir le contact avec le milieu intellectuel parisien qui fera le lit de la réception, fût-ce en pimentant celle-ci de polémique. Si témoigner de la guerre et de la Shoah est ici caractérisé par le point de vue de Max Auer, les moyens employés sont bien, comme signalé plus haut, un savoir encyclopédique historique désormais à disposition et d'autre part une imagination largement approvisionnée à la double culture de la guerre et de la Shoah avec une touche transgressive concernant la sexualité. Emblématique de cette part de la littérature mémorielle, les Bienveillantes ont pour intérêt d'être comme un miroir inversé de la culture mémorielle, tout en y adoptant la posture de la face sombre. On pourrait parler d'une forme spéciale de littérature concertante, en reprenant le concept élaboré par Dominique Viard, spéciale au sens où elle passe pour faussement déconcertante. La part accordée à la sexualité est ici un trait de la stratégie. Elle est nourrie de fantasmes qui s'ancrent très loin dans la culture de guerre et elle permet de réactiver, sur une autre scène que celle de la littérature mémorielle, un phénomène de compensation, on pourrait dire, la représentation du corps et les rapports asymétriques de domination. Du côté de cette production relevant de la vulgarisation, on trouve également, encore plus vulgaire, la part de l'autre d'Eric Emmanuel Schmitt, qui ne peut guère s'empêcher de décrire de façon grotesque les rapports sexuels de Hitler et de Eva Braun. On est également étonné de la facilité avec laquelle les écrivains de ce corpus cèdent au déplacement de point de vue pour pénétrer les pensées, les sentiments et les humeurs des criminels qu'ils ont pris pour centre d'intérêt.
à côté du Hawa fictif de Little, qui nous permet de revisiter la Shoah sur le front de l'Est, et du Hitler de Schmitt, on trouve le Stengel, principal commandant de Treblinka, de Dominique Sigaud, dans son Franz Stengel et moi, 2011. La disparition de Joseph Mengele, qui prit Renaudot en 2017 par Olivier Guez, ne résiste pas non plus à cette tentation de s'approcher au plus près des pensées du médecin chef de Birkenau, ni à la vulgarité de détails sur sa vie sexuelle. Si sexualité, point de vue subjectif, science du détail, compte parmi les traits exemplaires de cette littérature, le tableau ne serait pas complet sans la famille. La famille constitue à la fois un lieu commun et un topos narratif qui s'affirme à travers l'enquête que mène généralement le narrateur. Il s'agit évidemment là d'une entrée de choix pour interroger la filiation et l'héritage, avec pour ressort la question du doute sur le degré d'implication du père ou du grand-père. Il en est ainsi de La haine de la famille, 2001, de Catherine Cusset, Des gens très bien, d'Alexandre Jardin, 2010, jusqu'à La profession du père, de Serge Chalandon, 2015, ou Les amnésiques, de Géraldine Schwartz, en 2017. Même si la filière 2020 de Philippe Zanz est une qualité, d'une qualité littéraire qui engage à le distinguer des précédents, cet ouvrage illustre parfaitement à quel point investigation, documentation historique, voire instruction à charge, au sens juridique du terme, était la reconstruction de l'histoire du nazisme en concentrant l'intérêt sur ses protagonistes. Sans en passer par le prisme familial, l'ordre du jour d'Éric Villard s'inscrit pleinement, 2017, s'inscrit pleinement dans cette tendance en racontant la réunion décisive pour l'ascension au pouvoir d'Hitler de grands industriels allemands et de hauts dignitaires nazis. Sorte de scène archaïque qui, tout en recourant à une écriture distanciée, nous livre des détails que même un observateur n'aurait pas pu capter. Avec La condition humaine de François-Emmanuel, 2000, qui se situe dans le monde de l'entreprise, l'intention politique est bien plus présente, puisqu'il s'agit de réfléchir sur les liens entre le monde du travail et la violence structurelle du projet nazi. Le monde de référence du récit est à ce titre amplement nourri par tout un lexique qui est issu de l'Amtssprache et par l'évocation des Lebensborn. Pour terminer ce panorama très lacunaire, car il y a encore des dizaines d'ouvrages qui en traitent, je mentionnerai HHHH 2010, prix Goncourt du premier roman de Laurent Binet, qui compte certainement parmi les ouvrages les plus exigeants. Peut-être pour cela, son auteur en est-il venu à fortement critiquer les bienveillantes. Ce récit, dont les protagonistes sont les trois parachutistes tchèques qui ont mené l'attentat contre Heydrich, officier SS qui occupait un des postes les plus importants de la sécurité du Troisième Reich, se démarque de l'ensemble en portant la question sur les rapports entre écriture fictionnelle et sources documentaires que Binet utilise abondamment, mais avec distance, et notamment sur la justesse narrative de reprendre des propos venant justement de la bouche de Heydrich. Pour conclure provisoirement, et au regard de l'ampleur de ce corpus, je demanderai si la présence des criminels, et notamment des nazis dans la littérature contemporaine, mais aussi dans les arts visuels et les productions culturelles à prétention artistique que je n'ai pas évoquées, n'oriente pas la dialectique entre culture mémorielle et culture de guerre vers une revalorisation des criminels venant culturellement occuper par défaut la place laissée vacante par les héros. Merci.